Un beau matin, le soleil se leva pour éclairer le monde de sa lumière chaleureuse et dorée. Les rayons du soleil traversaient les feuilles des arbres, créant des motifs amusants sur le sol. Les oiseaux chantaient, les fleurs s'ouvraient pour accueillir le jour, et le ciel était d'un bleu si pur qu'il semblait peint. Tim, le petit lapin se frotta les yeux et s'étira dans son douillet terrier. En sentant la chaleur du soleil sur son pelage, il se sentit rempli d'une joie et d'une énergie particulière. C'était comme si la journée elle-même lui promettait une grande aventure. Poussé par sa curiosité et son enthousiasme, Tim décida d'explorer la prairie. Il sauta alors hors de son terrier, ses petites pattes effleurant les brins d'herbe, son nez frémissant au parfum des fleurs et de la terre encore humide. Il bondit à travers les champs, s'arrêtant de temps en temps pour saluer une coccinelle ou pour écouter le chant d'un oiseau perché sur une branche. Tout à coup, au milieu de la prairie, quelque chose attira son attention. Là, se dressant fièrement au milieu d'un champ, se trouvait une carotte. Mais attendez, je ne vous parle pas d'une simple carotte. C'était une carotte gigantesque, si grande que Tim devait lever la tête pour en voir le sommet. Elle était orange vif et ses feuilles vertes s'élevaient si haut dans le ciel qu'on aurait dit des drapeaux annonçant une découverte extraordinaire. Tim resta là un moment, les yeux grands ouverts, à admirer cette merveille de la nature. Il avait vu beaucoup de carottes dans sa vie, mais aucune, j'ai bien dit aucune, n'était aussi grande que celle-ci. Cette carotte était si immense qu'il se demanda même si les plus grands lapins du monde, ceux dont il avait entendu parler dans les légendes racontées par les anciens, auraient pu la déterrer. C'était un spectacle à voir, je vous l'assure. Et Tim se sentait à la fois impressionné, mais aussi exalté devant cette grande carotte. C'était comme si la terre elle-même avait préparé une surprise. Juste pour lui. Et c'est ainsi que Tim, le petit lapin, se retrouva face à une grande carotte. Émerveillé et plein de curiosité, il se demandait comment il allait réussir à atteindre ce trésor qui semblait toucher le ciel. Il avait toujours rêvé de trouver une si grande carotte. Elle était belle et orange, avec des feuilles vertes. Incroyable. Tim imaginait déjà à quel point cette carotte était délicieuse. Alors tout d'abord, il essaya de sauter pour atteindre la carotte, pensant que peut-être, juste peut-être, il pourrait la saisir avec ses petites pattes. Mais malgré tous ses efforts, la carotte restait hors de portée. Tim ne se découragea pas. Il regarda autour de lui, à gauche, à droite. Et là, il vit une vieille boîte en bois à quelques pas de là. Plein d'espoir, il poussa la boîte jusqu'à la carotte et sauta dessus. De là-haut, il était un peu plus proche de son objectif. Donc, il essaya de ressauter à nouveau. Malheureusement, la carotte était encore trop loin. Bon, loin d'être découragé, Tim réfléchit encore. Ses yeux se posèrent sur un long bâton posé près d'un arbre. C'était l'outil parfait. Tim le prit entre ses dents et le tira jusqu'à la boîte. Une fois arrivé, avec un dernier effort, Tim poussa la carotte avec son bâton. Et cette fois-ci, la grande carotte tomba enfin sur le sol. Elle se détacha de la terre pour rouler lentement sur le sol. Elle s'arrêta juste devant lui, aussi imposante et magnifique qu'il l'avait imaginée.
Mais au lieu de croquer directement dedans, une idée traversa son esprit. Pourquoi ne pas partager cette merveille avec ma famille et mes amis ? Se dit-il. Un sourire s'étira sur son visage à cette pensée. Tim retourna donc chez lui, laissant la carotte sur place pour l'instant. Ensuite, il rassembla sa famille et tous ses amis lapins du voisinage. « J'ai une surprise pour vous !» s'exclama-t-il, ses yeux brillants d'excitation. Avec un mélange d'étonnement et de curiosité, sa maman, son papa, ses frères, ses sœurs et tous ses amis lapins le suivirent à travers la prairie. Quand ils arrivèrent et virent l'immense carotte, leurs yeux s'agrandirent de surprise et d'admiration. Des exclamations de joie et d'émerveillement remplirent l'air. « Jamais nous n'avons vu une telle carotte !» dit sa maman, une voix pleine d'étonnement. « Comment vas-tu partager une si grande carotte, Tim ?» demanda un de ses amis. Avec un sourire, Tim monta sur la boîte en bois et, utilisant le long bâton comme levier, coupa la grande carotte en plusieurs morceaux. « Il y en a assez pour tout le monde, » dit-il. Et alors, un par un, chaque lapin prit un morceau de carotte et commença à le déguster. Des rires et des sons se firent entendre tandis que tous se régalaient de ce festin inattendu. Le goût sucré de la carotte se répandait dans leur bouche et ils étaient clairs pour tous que c'était la meilleure carotte qu'ils avaient jamais goûtée. Une fois le festin terminé, ils entamèrent des jeux et des danses dans la prairie. Le vent léger balayant leur pelage et le soleil couchant créant des ombres longues et douces sur l'herbe. Tim se tenait au milieu de tout cela, son cœur débordant de joie de voir sa famille et ses amis s'amuser grâce à lui. En rentrant chez lui cette nuit-là, son ventre rond et son cœur plein, Tim s'endormit avec un sourire sur son visage. Dans ses rêves, il revoyait la grande carotte, les visages heureux de sa famille et de ses amis, sans oublier les merveilleuses aventures qui l'attendaient à l'avenir. Et c'est ainsi que Tim le petit lapin vécut une journée merveilleuse et comprit que le bonheur était encore plus grand lorsqu'il était partagé. Si l'aventure te plaît, tu peux t'abonner, mettre un j'aime et partager ces histoires.